Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons sur Grenade pour 24 heures à peu près de navigation, 160 000. Nous allons installer un V-lift sur un Alibi 65 et changer des tuyaux hydrauliques sur le Orion, un Katana 90. Voilà, on vous embarque pour 24 heures avec nous. Allez, c'est parti! On y va, t'es prête? Allez, c'est parti! Écoute, on tente. Bienvenue en plus. Du boulot, hein. Oh ouais, la nuit qui va arriver là, on verra demain. Premier coucher de soleil depuis bien longtemps, ça c'est cool. Bon, il n'y a pas trop de vent, on devrait plutôt passer une nuit tranquille. Donc là on voit que la vitesse du bateau est aux alentours de 4 nœuds, ce qui n'est pas très rapide. Mais avec 8 nœuds devant, un peu trop sur l'arrière, c'est déjà pas mal. Nouvelle antenne Starlink connexion satellite à poste provisoire. Et madame qui bouquine. Soleil couchant. Bon, la nuit noire approche puisqu'il n'y aura pas de lune cette nuit. Bon, allons voir que fait le capitaine. Ah, je te vois pas vraiment. Ah bah voilà, je te vois mieux. On te fait le capitaine et bon Ricard. Petite pause, coucher du soleil. Oui. Et voilà, la soirée se prépare, petit repas en perspective. Pâte à tarte maison avec le vin maison. Ça c'est trop bon. On va se régaler. Cool. Bon, on mange pas avant hier. Hein. Ah non. Non. Allez, le vent est un petit peu monté, ou en tout cas l'angle a changé. Et donc on accélère un petit peu, mais c'est pas violent. On est parti de Sainte-Anne à là. Et nous allons descendre Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Cariacou et Grenade. Et nous allons ici. Ah, c'est bien, on avance bien. Ligne 7. Thank you.
nuit, la navigation assez lente d'ailleurs, parce qu'on était sous le vent des îles. Eh bien, le vent a repris, petit 13 nœuds de vent réel, à 50 degrés environ. Ça nous fait un vent de travers, on navigue à peu près à 10-11 nœuds sur le fond, avec sur l'eau à 9-10 nœuds. Je ne suis pas sûr que ma petite roulette elle doit être un peu freinée peut-être. Et puis on hydrogénère actuellement avec le moteur électrique. On hydrogénère environ 4 ampères en 50 volts, ça fait 200 watts déjà ça de prix. Et puis là on a un écran de navigation de sécurité avec la charge en pied de main, s'affiche en bas et qui évolue. Quelquefois des petites alarmes dans les vagues. Et les deux écoutes de grand voile qui évoluent aussi à 700 kg, 800 kg, suivant les vagues. Et tout ça avec des alarmes au cas où, pour nous prévenir que ça force un peu trop. Actuellement, on navigue au vent apparent, c'est-à-dire on se maxe 17 nœuds maxi dans cette voile-là, dans notre génois. Notre génois léger qui est pas trop bordé, pour pas trop souffrir. Et on accepte 17 nœuds, donc quand on atteint les 17 nœuds, on abat un petit peu, voilà, 17 nœuds de vent apparent là actuellement. 17.1, bon bah voilà, la mer est calme, donc ça tape pas trop fort. Voilà, on va rattraper le temps perdu, c'est cool. Vélift en voyage, double vélift. Voilà, après 21 heures de navigation, nous voilà arrivés à Grenade. On est bien contents, c'est cool. Et nous sommes au pré-serré. Parti. En bonne vitesse. Allez, on vire. Du lift. Ouais. On va prendre à boire un petit verre là, sympa. Et notre nouvelle annexe, elle est quand même trop chouette. Ouais. Boulot. Max part au boulot. Fourgonnette est en panne. Allez, c'est parti. C'est pas loin. 10 minutes de rame.
Group Ender Project. Installation de la cabine de peinture. Surprise. Hop. Voilà, Max va pouvoir peindre tranquille. Sans en mettre partout. On est très fiers. Et les winches à roulettes. Et il a été racheté par le chantier et ils vont en faire quelque chose, donc ils vont sûrement le repeindre parce que la peinture doit pas leur plaire. C'est surprenant. Ils sortent de l'eau kinétique, je crois, ça s'appelle. On voit bien encore le jaune. Ouais, chèche. Ouais. Le jaune a bien tenu. Les marches, les superbes marches, etc. etc. Un chantier assez énorme. Ils sortent beaucoup de bateaux. Du HH. Nous sommes le 29 octobre et nous terminons les travaux sur Grenade. Et d'ici quelques jours, nous remontons en Martinique pour accueillir la Transat Jacques Vabre. On terminera la vidéo par Orion, un Katana 90 qui nous laisse de vieux souvenirs avec toute l'équipe à Canet. Voilà, allez, on vous embrasse. À bientôt.